Salut, salut la grande famille, c'est encore Marossi, Bejo, Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, l'air est grave. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en Europe. Nous sommes précisément en France. L'air est grave en France. Nos parents qui sont en Europe, qui ont les papiers, oui, qui ont les papiers et eux, qui d'autres même préfèrent donner les papiers à leurs frères aller travailler et puis cet argent là les gars divise en deux voici un sérieux problème qui est venu maintenant c'est dit un sérieux problème tellement que nos gentillesses là ça nous conduit encore à l'abattoir voici les informations que d'autres ne connaissent pas ils sont en Europe surtout en France qui ne connaissent pas qui ne prennent pas l'appel de suivre les informations qui se passent mais je vous informe aujourd'hui moi je sais pas quoi arriver en France pour dire non, que oui, je suis en France et puis cela dit ça là, jamais. Mais je suis tombé sur une vidéo où les gars déclarent que ceux qui ont les papiers et qui donnent à leurs frères ou qui donnent à leurs leur connaissances pour aller travailler. Si on attrape une personne, si toi, ils t'ont attrapé, tu n'as pas les papiers, tu as attrapé un papier de quelqu'un et tu allais travailler avec ça. Un hein, d'abord, celui-même que c'est plus les papiers là, ils vont le retirer lui-même ses papiers. Et de deux, lui, va être sans. <laughs> Il va être sans papier. Automatiquement, il va être sans papier. Et toi-même, qu'ils ont attrapé avec les papiers de quelqu'un, ça c'est fraude. Toi, tu vas faire la prison. Donc, s'il vous plaît, des grâces. Vous qui nous suivez, vous qui êtes là, vous qui préférez rester à la maison, donnez vos papiers à vos frères, allez travailler, puis vous allez diviser l'argent en deux. Des grâces, ça là, ça n'existe plus. Si tu veux vraiment perdre tes papiers, il faut le faire. Si tu as regardé ma vidéo, s'il vous plaît, des, des grâce, partagez cette vidéo-là au maximum. Partagez cette vidéo-là au maximum. Ça peut aider beaucoup de... Surtout beaucoup des Africains. C'est nous, nous, on est généreux partout. Après ça, et on s'est fait du mal. Et après aussi, j'aimerais expliquer beaucoup de choses. Que nous, les Africains, c'est nous encore, on gâte nos mangements. C'est nous encore, on gâte nos mangements. La famille, écoutez très bien cette vidéo. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici la petite vidéo. Écoutez. Vous avez remis vos papiers à un sans papier, allez bosser. Le résultat est que vous allez vous retrouver aussi sans papier comme le sans papier que vous avez remis, le papier d'aller bosser. Bonjour à tous mes frères africains. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo tout simplement pour vous informer que les choses ont changé. Ne donnez plus vos papiers aux gens pour travailler. C'est pas parce que vous êtes méchant, mais ne le faites plus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une loi qui est sortie. Et cette loi-là, ça te retire automatiquement ton titre de séjour. Donc, si toi, Africain, vivant en France, ayant un titre de séjour, donne ce titre de séjour à ton frère d'aller bosser, question de vouloir l'aider, sachez qu'aujourd'hui, il y a une loi qui est sortie. On n'en parle pas aux médias, on n'en parle pas. Tout simplement parce que, automatiquement, on va, on va rafler beaucoup entre nous. Donc, ne donnons plus nos papiers aux gens pour aller bosser. Il ne faut plus le faire. Je sais bien qu'on aime aider, on aime bien soutenir. Ben voilà, il ne faut pas aider jusqu'à te mettre en danger. Donc, je m'adresse ici à tous mes frères et sœurs africaines qui donnent leurs papier papiers aux sans-papiers pour leur aider, pour qu'ils se fassent un peu un petit pain. Ne le faites plus parce qu'une loi a été votée. Et cette loi-là, ça fait depuis un moment que, voilà, c'est en sourdine. Et on n'en parle pas. Et vu aussi que beaucoup d'entre vous, vous ne suivez pas les informations, peut-être, à travers cette vidéo, vous allez être au courant. Ne donnez plus vos papiers aux sans-papiers pour aller bosser. Au moins, vous êtes prévenus. Parce que une loi a été votée. Alors, à ce qui paraît, si vous remettez votre titre de séjour ou votre résidence à quelqu'un d'aller bosser avec, vous allez vous retrouver dans la mer, vous allez vous retrouver automatiquement comme le monsieur à qui vous avez remis les. Regardez papier. cette vidéo, elle vous explique bien et vous parle de l'article exact qui a été voté. Les préfectures plus dures que jamais. Aujourd'hui, à la préfecture du Vadoise, une personne qui avait une carte de résident et qui avait une entreprise, elle employait une personne qui était en situation irrégulière. Pour information, c'est une information que j'ai eue sur les réseaux sociaux. Je ne connais pas la personne particulièrement et personnellement. La préfecture lui a envoyé un courrier par lequel il a été précisé qu'elle employait une personne qui était en situation irrégulière, donc un travailleur sans papier, et que sur la base d'un article du CCDA, elle euh, réfléchissait, en parlant de la préfecture, à lui retirer son titre de séjour. Et l'article en question, c'était l'article L432-11 du CCDA. Et j'ai été vérifier cet article-là. Et effectivement, cet article-là dit tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se l'avoir retiré s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article 825 1-1 euh, du Code du Travail. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté. Hein, C'est une petite vidéo de deux minutes. Vous avez écouté vraiment la réalité de ce qui se passe en Europe. Vous savez, nos gentillesses... Nous envoie à l'abattoir. Pourquoi je dis ça Et aussi, nous aussi, on a nos propos que on tient matin, midi, soir, qui nous envoie à l'abattoir. Voici des gens, vous pensez que, regardez, Macron, il est sur si les réseaux sociaux. Macron est sur si TikTok, il est sur si Twitter, il est sur si Facebook, il est sur si YouTube, il est sur si les. Il est dit, quand on dit les plateformes des réseaux sociaux, Macron est là-bas. N'oubliez pas aussi Marie Le Pen. Tous les Français, eux tous sont sur les réseaux sociaux. Mais nous en Afrique, surtout nous les Africains, quand on arrive en Europe, les petites choses où nous tous, on se débrouillait, où nos parents se débrouillaient pour gagner les, les, les pains. Aujourd'hui, on va aller sur si les réseaux sociaux, on va parler de ça. Oh non, vous savez, pour avoir les papiers, il faut te marier avec une, une femme blanche. Pour avoir les papiers, il faut avoir les enfants avec elle. Pour avoir les papiers. Dans ça là, les blancs, ils ont fait les enquêtes jusqu'à ce qu'ils tombé dans l'oreille des blancs. Et ils ont fait des enquêtes. Ils ont trouvé que oui. Nous les noirs, pour avoir les papiers, on, même la fille, elle n'a qu'à être comment, comment, elle n'a qu'à comment, ou garçon aussi, n'a qu'à être penché, penché, comment. On est obligé d'accepter pour avoir juste simple papier. Les blancs de maintenant, là quand tu viens là, les gars vont tourner avec toi en direct novice. Voici des gens, surtout nos frères, qui sont en Europe, qui préfèrent la facilité, rester à la maison pour que quelqu'un d'autre... Il va appeler son ami, viens, viens en France. Oui, France là, Joe, c'est beurre, viens, viens. Et quand le, son, son ami arrive ou son petit arrive, il dit, bon, d'accord, bon, tu sais que tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas travailler là. Moi, je vais te donner moi mes papiers, mais tu as 50, moi c'est 50. Ou soit tu as 40, moi, et 60, parce que ce sont mes papiers. Et la personne, lui, veut travailler pour gagner au moins un peu d'argent pour envoyer un peu à sa famille. Et aussi pour s'habiller, pour dire qu'il est en Europe, il va le faire il va se taper de plusieurs boulots or le, cap, le, le type en général lui que c'est pour lui les papiers lui il a la maison tranquille et c'est ce, l'autre qui va aller sauter les neiges ou au moins soleil tout ça là on dit ça là c'est fini on va faire quoi là là vous allez faire quoi là maintenant vous allez faire quoi vos frères maintenant qui sont, en qui sont derrière qui veulent vraiment aller de l'avant pour aller là bas aussi pour gagner les ségrés, pour gagner les, 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 les papiers aujourd'hui c'est à très du Aujourd'hui, moi je vous parle là. Partez en Europe, partez surtout partez en France. Vous allez croiser une fille blanche, une Française. Elle va, elle va jouer avec toi. Quand tu lui parles de mariage, elle va te dire non qu'elle n'est pas prête. Parce que quoi Ses parents lui ont dit non que oui. Les Noirs là, qu'ils sont avec toi là, ça coûte des papiers. S'ils sont avec toi là, il ne faut pas te dire eux t'aiment, ça coûte des papiers. Tout ça là, c'est à cause de quoi Nos frères qui sont là-bas, c'est eux qui ont commencé, c'est eux qui ont gâté le chemin. Il y a d'autres aussi, tu dis non que oui, quand ils arrivent en Europe, il faut dire non que oui, les gars veulent si Bon, il ne peut pas dire le nom, bon, et si un truc comme cela. Donc à cause de ça, tu as fui, donc c'est pour qu'on te donne des papiers. Tout ce domaine-là, les blancs ont fait des recherches, ils sont tombés ici, ça blout. Ils ont vu que oui, quand nous soeurs là-bas, voyez les mensonges que les gars tracent. Voyez ça, maintenant, les gars refusent des papiers. D'autres aussi, on dit mineurs. Tu vois quelqu'un, mais il se rase ici, il est vieux comme ça, il dit les mineurs. Maintenant là, c'est les dents en compte. Maintenant, il y a les appareils. Maintenant, on va prendre ton, tes os, on va taper, poum, poum. <laughs> Seigneur, j'ai une histoire à vous expliquer. Il y a quelqu'un qui m'a appelé un jour. Il me dit aussi, il dit oui. Il dit Ah, vraiment, quand lui, il est rentré en Europe, il est, il est allé directement en France. Il dit Quand il est arrivé, lui, n'a pas diminué son âge. Donc, lui, il pensait que son âge, là, vraiment, c'était bien. Donc, lui, il avait 25 ans. Quand Tu vois son visage, tu peux lui donner 17 ans ou 18 ans ou d'une. Bon, un truc des dans les dans les dizaines là comme ça, c'est là-bas lui. Il est. Oh, lui, il a 25 ans, il partait vers 26 ans. C'était en 2018. Je sais que a là, il a dit. Ah. Il est arrivé là-bas, le, le jeune homme. Il dit, quand il est arrivé, il voit ses grands frères. Il a vu, il a reconnu son grand, son, son, son vieux père au cathy mais en âge. Si les papiers, son vieux père, que lui il respectait au pays là, et son vieux père est devenu son petit frère dans les papiers. Celui le petit là, es devenu son, celui est devenu son grand frère. Il dit quand il a vu des gens, des papas qui ont des barbes, qui ont ceci. Et puis il dit, ils sont presque... C'est dans deux mois, là, ils, ils sont quittés dans mineur. Tu les vois babus comme ça. Il te dit il a 25 ans. Quand tu le vois même là, dès il y a quelqu'un qui a 45 ans. Tout ça là. Aujourd'hui, maintenant, si tu dis que tu es mineur, ils vont te vérifier. Il y a les appareils même qui vont, qui vont passer si toi-même. là, Les appareils, là, vont, les appareils là, vont détecter que toi, là, tu es un vieux. Ils vont dire ton âge. À cause de vous. vous. Aujourd'hui, regardez, c'est dans quel pétré aujourd'hui Des d'autres, de ils n'ont même pas de papier. Ils ne peuvent plus travailler au noir. Ils ne peuvent plus travailler au noir. Parce que si tu travailles au noir, on t'attrape là. Voici un sérieux problème. Vous avez gâté le polo. Vous avez gâté les mangements des gens. Aujourd'hui, voici ça. Pourquoi l'Africain, quand il gagne quelque chose, il dit à son frère, ah, Joe, on a qu'à faire ça là. Faut pas les autres là, vont, vont attendre. Vous, merci des réseaux sociaux, les gars, viennent expliquer. Ah, regardez comment moi j'ai eu mes papiers. Oui, si vous venez ici là, faites ceci. Nous, on vous donne des conseils. Faites ceci pour avoir des papiers. Faites ceci pour avoir des papiers. Oh, les blancs vous suivent à la lettre. Les blancs vous suivent à la lettre. Les blancs vous écoutent. Mais pourquoi l'Africain, on est toujours limité Quand il dit On est limité des choses négatives. Quand c'est dans des trucs négatifs, on se retrouve dedans. C'est dans ça là même, on est, on est bon, on est bon dedans. Mais des choses qui vont nous donner la vie, on dit on n'aime pas ça. On dit on n'aime pas ça. Voici aujourd'hui des jeunes filles, des jeunes garçons qui n'ont plus de papiers, qui sont à la maison. Où ils vont travailler Où ils vont travailler à l'aile Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus travailler. Ils sont bloqués. À cause de quoi Maintenant, avant, on disait, on disait, euh, on disait papo. Papo, c'était PC. Euh, on dit que ça veut dire papier. Les blancs ont compris que ce qu'on appelle PC, ça veut Maintenant, on dit, il y avait des mots tellement que quand on évade un mot là, les Blancs vont chercher à comprendre ce mot là, ça veut dire quoi? Et ils vont comprendre. Et après, on va changer. Arrêtez ça. Il y a des codes qu'on peut faire, mais vous, c'est pas ça. Quand vous, petit truc, vous êtes en parlable, vous allez venir exposer vos vies privées sur les réseaux sociaux. Comment l'autre a fait Puis l'autre a eu papi. Comment l'autre a fait L'autre a eu papi. Comment l'autre a fait Puis l'autre a... il a eu boulot. Et puis l'entrée est en train de travail, Il tape sa poitrine. C'est à cause de moi, il a eu ce boulot-là. Oui, si ce n'était pas à cause de moi, il a pris mes papiers pour travailler. Il a pris mes papiers pour travailler. Il est venu ici, sans abri. Je l'ai logé. Il a pris mes papiers. Il a pris mes papiers, il a pris, ma... il a pris mes papiers, il a pris mes papiers. Ça rentre dans les oreilles, dans les oreilles des, des blancs. Aujourd'hui, voici ça. L'Africain est livré à lui-même. L'Africain. On est livré à nous-mêmes. Où on est là? Tu n'as pas de papier, tu es dans problème là, là. Comment tu vas faire pour manger? Aujourd'hui, tu vas aller travailler à un papier des gens. S'ils ne t'ont pas attrapé, la personne que tu travailles c'est ses papiers. L'argent même vient, ça vient sur son compte. Ce n'est pas, si, pas chez toi, ça vient, ça vient sur son compte. S'il a confisqué là, tu ne vas pas aller te plaindre. Tu ne vas même pas aller à la police, tu vas aller te plaindre. Tu vas aller te plaindre là-bas. Là. Toi-même, tu as problème. Ils ont eu beaucoup de personnes comme ça. Vous les paresseux là, qui êtes en Europe là, vous avez vu, non? <laughs> vous avez vu, non. Tellement que vous parlez trop. Aujourd'hui, voici ça. Drapété. Faites beaucoup très attention. Arrêtez de donner vos papiers maintenant aux gens qui n'ont pas de papiers pour aller travailler, pour que vous puissiez diviser cet argent là. Faites beaucoup très attention. Moi, j'aimerais pas que oui, matin ou demain, quelqu'un se retrouve à la rue pour dire non okay, que je n'ai plus de papiers. Oui, c'est comme ça. Oui, ils ont bloqué mes papiers. Je suis sans papiers. Oui, ça là si nos blogueurs ou si nos, notre influenceur parlait de ça là nous au moins, si on pouvait regarder, puis ça pourrait nous aider de ne, de ne plus donner nos papiers. Aujourd'hui, nous, on est en train de vous sensibiliser, on est en train de vous interpeller. Faites beaucoup, très attention. Faites beaucoup, très attention. Faites très attention. Faites très attention. Car les papiers que vous donnez à vos frères, ça va faire qu'aujourd'hui, si on les attrape, eux vont faire prison. Vous, on va vous retirer vos titres. On va vous retirer vos gnani gnani que vous avez les papiers là. Ils vont vous retirer là. Vous, pour vous là même est grave. Si on te retire là, ça là, ça veut dire c'est fraude. Fraude ça là. Tu sais, c'est quand tu vas avoir tes papiers encore. C'est là que tu vas avoir problème. Là là, c'est là, là maintenant que tu vas dire, ok, Seigneur, les sociétés de mon village là, ils ont remis les Canaries, hein. Ici encore dans les Canaries. Arrêtez ça. Tu as eu tes papiers. Je ne sais pas comment tu as fait, puis tu as eu tes papiers. Mais va travailler. Si tu ne veux pas travailler là, reste, reste là. Parce que la majorité des Noirs, là, eux, ils préfèrent avoir les papiers rester à la maison et puis les Blancs vont s'occuper d'eux. Eux, eux c'est les facilités là, eux, ils aiment beaucoup. C'est la facilité, ça là. Ils aiment ça. Les Blancs ont calculé pourquoi les gars, maintenant, ont dit que oui, ceux qui ont les papiers, ils donnent ça à les frais. Et puis ils vont aller travailler. Puis ils... Voici la raison, je vous explique le pourquoi. Je prends l'exemple, moi j'ai mes papiers. Je suis à la maison, je ne travaille pas. Je déclare que j'ai une maladie, je ne peux pas travailler. Donc l'État me paye. L'État voilà, me paye un peu d'argent pour que je puisse manger, euh, payer ma maison, tout ça là, mes petits besoins, tout ça là, c'est l'État qui s'occupe de moi. Et je prends ce papier là, où j'ai déjà déclaré que je ne peux pas travailler. Je prends mon papier là, je donne à mon frère ou il donne à un ami. Il va aller travailler. Mais où il va aller travailler là Là-bas, s'ils ont fait le contrôle, et puis ça, on voit là-bas que oui, mais ce monsieur là. Si c'est papier, on dit non, que ah, lui, il ne peut pas travailler. Et on le voit ici, c'est lui qui est entré travailler. Vous mettez le blanc là. Entre nous, mettez le noir on se reconnaît. Le blanc là, lui, pour reconnaître quelqu'un là, c'est un peu pareil. Il a dit, nous, on se ressemble trop. Oh, nous, on ne se ressemble pas, on se connaît tout de donc, il va dire, mais attends, le gars il a signé, arrête de travail. Mais c'est lui qui est ici. Mais comment fait-il que lui il est ici encore, au, au boulot ici Et ils vont faire des recherches. Et toi tu es assis à la maison, tu attends ton bouvier, tu attends ton manœuvre, va travailler. Et puis à la fin vous allez diviser. Voici ça. Continuez, hein? Vous qui donnez vos papiers là, continuez, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez vous retrouver dans les la, dans la, dans la rues. Ne faites pas ça. Vous avez déjà gâté le mangement. Montrez des, des pistes. Montrez des pistes où vos frères peuvent avoir des vrais papiers. Pas pour dire des fraudes parce que là-bas, là, ils ont fini les faux papiers. Montrez des, bon, des, des pistes pour que les, vos petits frères qui arrivent là-bas, ils vont gagner des boulots. Ils vont gagner des papiers parce que là-bas, là si tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas travailler. L'Europe est comme ça. L'Europe, tu n'as pas de papiers. Il faut oublier faut oublier que tu es poulet sans propriétaire. Tu es livré à toi-même. Oui, tu es livré à toi-même. Donc, s'il vous plaît des grâces, je vous dis, s'il vous plaît des grâces, faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention. Ne restons pas là pour dire non que oui, j'aime telle personne, j'aime ceci, j'aime cela. Oui, tu aimes la personne. Mais est-ce que demain. Tu dis, toi tu as tu le lui rendre service. Service que toi tu as tu lui rendre là, ce n'est pas cadeau. Ce n'est pas du tout cadeau. On connaît vos stratégies maintenant. Vous, eh, moi je suis là l'aider. Voilà, hein. moi je suis là d'aider. S'il vous plaît. C'est grave. L'Europe, c'est grave. La France, les bengis, c'est grave. Faites beaucoup très attention. Donc la famille, vraiment, je vais m'arrêter là, là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.